les gens commettent qui est là. Et je leur dis toujours de faire attention. Ceux qui ont l'habitude de résider, bref. Quand vous nous trouvez là, prenez votre sang-froid. Et faites attention. Sinon, si chacun doit prendre le document de l'autre et se mêler de ceux qui ne regardent pas là, je me connais très bien. Monsieur, je me suis moi-même donné conseil par la grâce de Dieu de ne plus le faire comme je le ferais auparavant. Parce que quand je le fais là, il y a beaucoup, je le répète, et quiconque parmi votre groupe me fait la promesse solennelle et me remet son document publiquement. Et il dit, je te donne notre document là, faut nous montrer que c'est pas bon. Ce que je vais faire, je prends tout le monde à témoin que c'est toi qui a demandé. Je vais commencer par l'incertitude qui règne dedans. Ensuite, l'incapacité d'être Dieu de celui qui aurait parlé dedans. Et le flou dans lequel plonge celui qui a le guide fédéral, qu'il suive en tant que leader. Chacun peut se permettre de faire ça. Mais en fin de compte, quand on va finir là, ça va donner quoi comme résultat? C'est pas là. Alors que chacun se concentre.